On se retrouve comme promis la semaine dernière pour apprendre les gestes de la première partie de la chanson des émotions. D'accord? Vous êtes prêts? J'ai révisé avec la vidéo d'Arnaud. Donc on va apprendre petit morceau par petit morceau. Aujourd'hui, un petit morceau. Donc, vous vous souvenez, ça commence par dans mon corps. Alors je tapote mon corps. Dans mon corps, il y a une maison. On lui fait un joli toit. Une maison où habitent mes émotions. Elles m'en font voir de toutes les couleurs selon mon humeur. Joie, amour, peur, colère, tristesse, et sérénité, des fois tout s'accélère et je me sens barbouillée. Voilà, d'accord? On va y aller tout doucement. Dans mon corps. Dans mon corps, il y a une maison où habitent mes émotions. Elles m'en font voir de toutes les couleurs. La main fait comme si ça pianotait et pas en même temps. Selon mon humeur. Là, il n'y a pas de... Arnaud m'a dit pas de geste. Donc, joie, amour, peur, colère, tristesse, et sérénité, des fois tout s'accélère, alors ça fait un tourbillon, des fois tout s'accélère et je me sens barbouillée. On essaye en chanson, en chantant et avec les gestes. On y va. Dans mon corps, il y a une maison où habitent mes émotions. Elles m'en font voir de toutes les couleurs selon mon humeur. Joie, amour, peur, colère, tristesse et sérénité. Des fois tout s'accélère et je me sens barbouillée. Voilà, on va s'arrêter là. Pour cette fois, hein, il vaut mieux apprendre petit à petit que trop vouloir en faire d'un seul coup. On réessaie ensemble? Allez. Dans mon corps, il y a une maison où habitent mes émotions. Elles m'en font voir de toutes les couleurs selon mon humeur. Joie, amour, peur, colère, tristesse et sérénité. Des fois tout s'accélère et je me sens barbouillée. Voilà, donc j'espère que vous êtes contents de pouvoir apprendre les gestes. Maintenant, on passe à la révision de la petite poésie pour les mamans. Donc s'il y a des mamans qui traînent, il faut leur demander de... s'en aller, d'aller voir si le facteur n'est pas passé, hein, d'aller voir s'il n'y a pas quelqu'un qui sonne à la porte. Vous êtes prêts? Vous vous souvenez? J'ai des mains pour te toucher, j'ai des bras pour te serrer, des pieds pour courir vers toi, pour t'appeler, j'ai ma voix, et puis j'ai mon cœur encore pour t'aimer toujours plus fort. Alors on peut lui faire le cœur. Et j'ai mon cœur encore pour t'aimer toujours plus fort. Avec un cœur qui est géant parce que notre maman l'aime immensément. Vous êtes prêts? J'ai des mains pour te toucher. J'ai des bras pour te serrer. J'ai des pieds pour courir vers toi. Et pour t'appeler, j'ai ma voix. Et puis... j'ai mon cœur encore pour t'aimer toujours plus fort. Voilà, et vous pouvez lui dire
bonne fête, maman. Je suis sûre qu'elle sera très contente de cette petite surprise, votre maman. Allez, bisous les loulous.